Salut amateurs de football, vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com. Salut gang! Bon, jeudi soir, toute la gang. On est un peu déstabilisé, hein? Parce qu'un jeudi soir, n'ajustez pas votre appareil. Salut la gang! Donc, on est à deux jours, même, tu sais, je veux dire, en tout cas, dans trois jours, à cette heure ici, on a déjà vu quelques séquences, donc, du Super Bowl. C'est la grande messe du football et je suis tout excité ce soir parce que c'est rare qu'on a tous les trois en même temps. Donc, en tout cas, ils me coûtent cher ces gars-là pour les avoir. Fait que, donc, on salue Virginie. Comment ça va, la belle Virginie? Bon jeudi soir. Mon modérateur Sexy Jimmy, comment ça va? Bonne émission à toi aussi. Sexy, mes modérateurs, je vais en avoir besoin de mes modérateurs ce soir, donc je vais être à l'écoute de mes collaborateurs. Metal Sly, Metal Sly. Non, on parlera pas de Tom Brady ce soir, mon Metal Sly. Il est fini, c'est fini. Il a pris sa retraite, on verra. Non, on va en parler. Les gars, vous êtes plus sur le mute, là. Donc, si vous parlez, on vous entend. Mais vous êtes à veille vous êtes à veille d'être là. Donc, comment ça va? Spécial ce soir. Puis là, c'est parce que j'ai des applaudissements dans mes écouteurs. Fait que j'ai un petit délai avec mon émission. Donc, un spécial ce soir, table ronde. On l'a fait. Il y a plusieurs dans le chat. Vous vous souvenez, on a fait... DJ Jazzy Wire a fait un gros show de Super Bowl l'année passée. Un show de 4 heures, puis on avait fait un spécial table ronde, puis on était incorporé dans l'émission-là, puis les gars, j'appelle l'exécutif, ils ont bien aimé ça, puis là, on va pouvoir le faire à un rythme que de notre émission 60 minutes. Donc, il va y avoir 4 sujets, vous allez voir, inquiétez-vous, ça va être un build-up pour le Super Bowl. C'est sûr que j'ai pas fait beaucoup de promos, tout ça, on va enregistrer l'émission va être enregistrée. Demain, ça va sortir sur le site Internet, puis si j'ai le temps, je le mettrai en format audio, parce que, veux pas, on a même un poste, on a un podcast, on a une chaîne quelque part, là, mais c'est pas aussi populaire que Triple Option, puis la gang à Wallet, puis tout ça, fait que, en tout cas, merci d'être là, toute la gang. Ça va voler le show, ce segment. Ah oui, Sexy Jimmy, ouais. Ben, les gens de football ont bien aimé ce segment-là, mais on sait que très bien, ce show-là, c'était plus de la musique que tout le show. En tout cas, c'était bien le fun. Donc, sans plus tarder, on va aller voir mes amis, l'exécutif. Vous allez rire un peu parce que j'ai trouvé un titre, là. C'est vraiment un exécutif, mais chacun a un titre. Fait qu'on va aller les voir sans plus tarder. On salue mes trois collaborateurs. Les trois collaborateurs de Le Blitz NFL. Donc, la gang, souhaitons la bienvenue en haut à gauche sur votre écran. C'est notre ami Simon Bussière. Comment ça va, Simon? Ça va super bien. Content de retrouver mes amis Wallet et Étienne et de retrouver Tony. Merci. J'ai été un petit peu moins disponible cette année, mais ça me fait plaisir d'être là. Mais tu étais tout le temps là, à tous les jeudis, avec tes choix. Un article qui est quand même fort populaire dans Le Blitz NFL. Simon, dans l'exécutif, il y a toujours un président, il y a des vice-présidents, trésoriers, secrétaires. Moi, je vais me donner le titre de président, mais Simon, moi, je te donne le titre de VP Finance, vu que tu fais les gageurs. Fait que je te
je te donne le titre de VP Finance. En haut à droite, on a notre ami Wallet, le VP. Let's go! VP recrutement, Wallet. Le VP recrutement, notre spécialiste en NCAA. Comment ça va, Wallet? Va super bien. Un peu comme Simon, souvent avec le décalage horaire, j'ai pas la chance d'être là aussi souvent que je le voudrais, mais comme Simon a dit, je suis content de retrouver notre quatuor. Puis, comme tu as dit en entrée de show, on a eu du fun l'an passé, mais c'était beaucoup trop court. Je pense que ça va être le fun de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, là, de se parler de ce qui se passe dans la NFL, mais surtout du Super Bowl là, qui s'annonce très excitant selon moi. Pour les gens qui ne le savaient pas, je pense qu'on a fallait faire un vidéo de 5 minutes. Là, ce soir, le concept, c'est le concept de 60 minutes. Donc, on va avoir. Bon, puis moi, on a de la misère à garder ça. Ouais, c'est ça. Ce soir, on va avoir 4 sujets de 15 minutes. Donc, il va y avoir un peu de discipline parce qu'on a quand même certaines obligations personnelles tantôt, là, dans une heure à peu près. Fait qu'on va essayer de respecter ça. Donc, j'espère. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, là. Pas parce qu'on enregistre, puis je sais, c'est spécial. Je m'attends pas à grand monde parce que c'est rare qu'on est en direct le jeudi, mais c'est sûr qu'en rediffusion, ça risque d'être populaire. Mais en ce moment, il y a DJ RS Mirabel qui joue. Puis tantôt, je suis allé le saluer, puis il m'a dit « Hey, on s'en vient te raider après. » Fait qu'on verra bien. Et finalement, notre ami Étienne, notre VP Opération Football, comment ça va, mon Étienne? Je suis content de ne pas être tombé sur le VP recrutement parce que d'habitude, dans tous les comités exécutifs, c'est souvent là qu'on place une femme. On est en 2023, Étienne. Tu peux pas juste assumer. Là, ça y est, le Twitch va nous bannir, Étienne. Nous sommes tous des non-genrés. Oui, c'est ça. Bon, ça y est. Donc, Sexy Jimmy qui dit les vrais sont là. Donc, un gros merci, les gars. La façon, ça va être 4 sujets. C'est un build-up. Au Super Bowl, une table ronde. Je sais qu'on est toujours dans le respect, mais des fois, on va se challenger un peu, ou peut-être, je sais pas, est-ce qu'on va tout aller dans la même direction, mais connaissant mon ami Wallet, je sais pas où est-ce qu'on va aller, fait que c'est pour ça qu'on fait ça seulement une fois par année. Donc, en tout cas, le build-up, c'est ça. Ben, ça va être très intéressant parce que ça va être la grosse question, puis encore une fois, c'est les Chiefs et les Eagles au Super Bowl. Les Eagles favoris par 1.5. C'est rare qu'on voit ça, serré comme ça. Je me demande si Las Vegas capote un peu, mais ça va être une année record en termes de gageurs. On parle de 16 milliards de dollars, je pense, qui vont être gagés. 16 milliards? Ouais, c'est ça, 16 billion, là. Donc, c'est des milliards, ça, en français. Donc, beaucoup d'argent, puis tout ça. Fait que le build-up, comme vous le savez, il y a du monde dans le chat qui va me niaiser parce que j'ai joué la girouette cette semaine parce qu'au début, je penchais pour les Eagles, mais là, à la fin de la soirée, vous allez voir nos 4 choix avec des scores. Demain ou samedi, Simon va sortir son choix à lui. Puis vous allez voir toute la gang de Le Blitz NFL qui ont fait leur choix. Donc, sans plus tarder, on va aller au premier quart. Donc, le premier sujet. Là, je cherche mes affaires, puis ils sont ici. Donc, avant qu'on aille vraiment dans le match-up tout de suite, on va déjà parler du futur. On va parler tout de suite du lendemain du Super Bowl, parce que le lendemain du Super Bowl, ça va être la saison morte qui va débuter. Comme vous le savez, à la fin février, ça va être le Scouting Combine, comme on dit, c'est ça. Puis au mois d'avril, fin avril, c'est le repêchage. Donc, on a eu la retraite de Tom Brady. On a Aaron Rodgers qui ne sait pas où il s'en va. Je vais sortir plein de sujets. Les gars, ils ont eu ma question. Peut-être qu'ils vont sortir du champ. Mais on parle de Aaron Rodgers. Là, en plus, il s'en va 4 jours dans une retraite fermée, hallucination auditive, genre. Là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire.
L'après Brady, Derek Carr, c'est sûr qu'il ne veut plus retourner chez les Raiders. Il y a une visite avec les Saints. Lamar Jackson, son gros contrat, il veut la grosse argent. Donc, Étienne, je vais commencer avec toi. Quoi s'attendre? Quoi surveiller à la saison morte? Ça va être quoi la une de la NFL après le Super Bowl? Je pense que les carrières vont effectivement être dans ce jeu-là de façon importante. Là, un gars comme Aaron Rodgers fait toujours couler l'encre beaucoup depuis quelques années pour des moins bonnes raisons. Mais d'ailleurs, j'ai entendu une bonne aujourd'hui, mais le gars qui a pensé à faire ça, là, je vais prendre une maison, je vais peinturer mes fenêtres en noir, je vais louer ça à des millionnaires pour qu'ils viennent faire une retraite de 4 jours chez nous. C'est un bon modèle d'affaires, là, tu sais. Pas même une dépense. Moi, ma blonde, elle veut pas que je peinture mes fenêtres en noir. Donc, il y a ça. L'autre chose qui tu sais, là, Derek Carr va savoir bientôt, là, parce qu'il faut qu'il coupe, faut qu'il échange avant le 15, sinon il faut qu'il coupe le 15 février, fait que ça va se régler en début de semaine, d'après moi. Sinon, ça va vouloir dire qu'il coupe, puis là, il va faire la tournée, puis il va signer un nouveau contrat avec une autre équipe. Ce qui est probablement ça qui va arriver, honnêtement. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est que, puis je passe aux joueurs de fantasy, là, il y a beaucoup de porteurs de ballon aussi que leur deal vient à échéance. Fait que là, tu as des gars comme Saquon Barkley, comme Josh Jacobs, qui ont été parmi les meilleurs running backs de la Ligue cette année, qui sont agents libres. Tu as un Tony Pollard qui est agent libre aussi, qui a démontré des belles choses avec les Cowboys. Des gars comme Joe Mixon risquent d'être congédiés. Question de plafond salarial, fait que c'est un gars de plus sur le marché. Kareem Hunt, il y en a beaucoup, beaucoup de. C'est tous des running backs qui ont à peu près 27 ans. Mm-hmm. Fait que c'est pas d'habitude dans ce genre de gars-là que les équipes investissent beaucoup d'argent à long terme. Mais ça, je pense que ça va être intéressant de voir tout ce jeu de domino-là qui va impliquer différents running backs pour les gens qui jouent au fantasy football. J'aime le fait que tu dises fantasy parce que j'ai l'impression que depuis un an ou deux, dans la NFL en général, il y a un peu une renaissance au niveau des porteurs de ballon. Donc, même une équipe qui, même pour si ton équipe favorite était à la recherche d'un porteur de ballon, ça peut avoir un impact sur naturellement ton attaque. Mais moi, je trouve ça intéressant de voir le retour des porteurs de ballon pendant trop longtemps. La NFL était 100% concentrée sur le jeu aérien. Puis, tous les gars que tu viens de nommer, ils ont été tellement excitants à suivre l'an dernier, cette année. Donc, mais quand tu es rendu avec des linebackers de 220 livres, c'est ça que ça donne. Ouais. Là, tout d'un coup, si tu ramènes un gros porteur de ballon, c'est un autre game. Ouais. Mais dans tous les porteurs de ballon que tu as nommés, Étienne, je ne sais pas, les gars, ça va être d'accord, mais est-ce qu'on peut s'entendre pour dire, peut-être à part Jacobs, non? Mais pour la plupart que tu viens de nommer, les bonnes années sont peut-être derrière eux. Tu parlais d'un gars comme Joe Mixon. Moi, je pense que Mixon, avec ses frasques hors terrain qu'il a fait dans les dernières semaines, moi, je pense qu'il vient de signer son arrêt de mort. Tout à fait. Ça ouvre un poste, tu sais. Oui. De ce que je comprends, ces frasques, c'est déjà réglé, là, ce que je comprends. Là. Il n'y a comme aucune action qui va être prise au niveau criminel envers lui ou quoi que ce soit. Là. Ça demeure pas moins que la tâche est là, Wallet. Là. Ouais. La tâche était là quand il a été repêché. Oui, effectivement. Donc, je comprends ton point, mais en même temps, on l'a vu à maintes et maintes fois dans la NFL, un bon joueur. Il y a des propriétaires qui sont prêts à tourner la page puis donner l'argent si ça peut changer le visage de ton équipe. Cette déclaration-là venant d'un partisan des Ravens, c'est très à propos. 100%. Écoute, dans la vie, il faut apprendre à donner une deuxième chance. Ouais, mais ils ont donné une deuxième chance pour un joueur exceptionnel, pas pour un joueur B+ comme Mixon. Quand ça a été le cas de Ray Rice, effectivement. On ne l'a plus jamais revu, là. Mais Ray Rice, il n'y avait pas beaucoup de munitions de son côté avec une fois que la vidéo était sortie. Là, de ce que je comprends de Mixon, c'est une histoire un peu boiteuse. Ouais. Mais je me trompe peut-être, je n'ai pas suivi le dossier à 100%. Là. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, Simon, quand tu dis que c'est des gars qui sont sur une pente descendante, parce que j'ai vraiment l'impression que Saquon Barkley, pour la première fois en quatre saisons, boum, il connaît une grosse année. S'il est intelligent, qu'il se garde en santé puis qu'il s'en va dans une équipe qui va. Regarde, le risque est toujours là, mais une équipe qui va être capable de le protéger puis qui ne sera pas démolie à chaque match.
Moi, je pense qu'il y a encore probablement deux ou trois bonnes saisons dans le corps. Là. Oui, oui. Barkley peut-être l'exception dans les règles que Étienne vient de dire. Mais tu sais, on pense à des gars comme Kareem Hunt. On pense à Pollard qui a connu probablement la saison de sa carrière jusqu'à maintenant. Donc, c'est peut-être plus difficile pour eux. Puis, pour revenir à la question de Tony, quoi surveiller à la saison morte? Moi, c'est Lamar Jackson. Lui, Lamar Jackson, présentement, là, il est au volant du camion de la Brinks. Donc, lui, là, il conduit. Il a les deux mains sur le volant. Ouais, mais il n'y a pas accès à l'argent en arrière encore. Non, mais il va faire exploser la banque. Il va faire exploser. Vous pensez? Ah oui, ah oui. Moi, j'ai dit. Il a de l'air à être borné. OK? Il a de l'air vraiment à être borné. Et les gars, c'est lui-même qui négocie son contrat. Il n'a pas d'agent. Il n'y a personne. J'espère qu'il y a quelqu'un à quelque part qui peut le raisonner. Mais déjà, l'attitude qu'il avait adoptée l'an passé, en début de saison, en disant si je n'ai pas réglé avant que la saison commence, je ne veux plus entendre parler, ça va aller à la nuit. Je me concentre sur ma saison. On a vu la fin de saison, comment ça s'est déroulé. Il a été blessé. Il n'a pas nécessairement suivi son équipe dans les derniers matchs. Moi, je pense qu'il y a vraiment de grandes intentions, de grandes ambitions, notre ami Jackson. Mais avant que vous continuez, ça va super bien parce que moi, je pense que ça va être mon show le plus facile. Là. Je pense que vous êtes bien partis, les gars. Moi, je vais checker le temps. Mais moi, là, ça fait une couple de semaines, puis je pense que c'est avec Étienne, je l'ai dit. Moi, là, le problème avec Lamar Jackson, ça se peut qu'il veut son argent, mais le problème, est-ce que vous autres, tu sais, je parle, je vous surnomme l'exécutif, là. En tant que propriétaire d'équipe, tout ça, êtes-vous prête à investir tout cet argent-là quand ça fait deux saisons qu'il n'a pas fini sa saison? C'est pour ça que là, je pense qu'on peut faire un tour de table pour dire comment vous voyez le futur de Lamar Jackson. Mais dernièrement, les Ravens semblent à dire qu'il va rester là, là, mais je ne sais pas à quel prix. Là. Mais Wallet, vu que c'est ton équipe en plus. Ouais, honnêtement, c'est une question... Tu le gardes-tu? Tu le payes-tu? Moi, si j'avais à le payer, ça serait un contrat similaire à ce que les Browns ont donné à Deshaun Watson. J'irais pas plus haut que ça. Puis encore là, comme tu as dit, ça fait deux saisons qu'il est blessé. Oui, il est extrêmement bon, mais je regarde les corps arrière qui s'en viennent cette année dans la NFL, issus du college football. Il n'y en a aucun qui m'excite vraiment. Ouais. Puis je ne sais pas qui va se rendre admissible l'an prochain au repêchage, mais vite comme ça, il n'y en a aucun non plus qui me rend vraiment excité. Donc, les Ravens, c'est plus l'équipe qui était il y a de ça 15 ans avec une défensive qui a encore une très, très bonne défensive, mais Lamar Jackson apportait une variété qu'on n'a jamais vue. Puis, c'est pas Tyler Huntley qui est le futur de l'équipe. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête. Je ne sais pas c'est quoi les options. Mais je trouverais ça plate de perdre Lamar, mais en même temps, je ne serais pas prêt à lui donner le contrat qu'il probablement veut, là, qui va être monstrueux. La nuance dans ce qu'il cherche, c'est que le contrat de Watson est pleinement garanti pour 4 ans. Okay. Ça s'est jamais fait dans la NFL. Ce qu'il proposait, j'ai bien compris, les Ravens, c'est quand même de garantir 110 millions ou 113. Fait que ça, c'est, mettons, 3 années. La moitié. Ben, c'est comme 3 années de 45. Là. Ouais. Je le vois comme ça. Là, fait que je trouvais ça généreux parce que c'est pas pour rien qu'il n'a pas fini deux dernières saisons non plus. Là. C'est un gars qui n'a pas un gros gabarit tant que ça. Il court beaucoup. Ça fait partie de sa game. Quand il n'est pas capable de courir, il devient un carrière marginal. Là. Fait que je suis pas convaincu, moi, qu'il y a quelqu'un qui va déménager le camion de la Brinks pour le signer. Je m'attends à ce qu'il va jouer avec les Ravens. Tu viens de dire que les 32 GM puis propriétaires de la NFL, t'as été le gère. Oublie pas, il y a les Jets de New York. il y a toujours les Jets et les Raiders quand t'es mal pris. C'est ouais. Les deux équipes auxquelles on a envoyé Aaron Rodgers. Ouais. Je suis un peu d'accord avec les deux. Moi, je pense qu'il n'aura pas le contrat qu'il veut. Et je pense qu'il ne le mérite pas non plus. Et Lamar Jackson, pour être honnête, les gars, à un moment donné, il va falloir qu'il gagne. Il va falloir qu'il amène l'équipe pour laquelle il joue à un autre niveau, ce qu'il n'a pas fait dans les dernières années. Et on avait quand même des équipes qui étaient respectées, là, du côté respectable, du côté des Ravens. Et là, c'est arrivé là, à deux reprises en série là, que... comme Étienne disait, c'est le pain et le beurre de Lamar Jackson, c'est un peu sa course,
c'est un bon passeur quand même, mais si on lui enlève l'option de courir le ballon, c'est un corps qui devient très vulnérable. Alors donc, et on sait aussi que pour ce type de carrière-là dans la NFL, les blessures arrivent vite, donc ça peut être difficile pour lui là, pour de signer le gros contrat qu'il veut, surtout avec son style de jeu. C'est un gros risque. Mais en même temps, tu regardes la conférence américaine puis les carrières qui se rendent année après année en éliminatoire. Lamar Jackson n'est peut-être pas à leur niveau, mais il est au niveau juste en dessous d'eux, selon exact. Moi. Puis, oui. Si tu le perds, ben là, tu te retrouves avec qui? Est-ce que alors, les Ravens vont aller chercher Zach Wilson? ça se pourrait que je vende tout, mais qu'est-ce que j'ai des Ravens, si c'est le cas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais au final... Si je peux faire la comparaison, c'est peut-être un peu boiteux, mais pendant longtemps, les Wolverines du Michigan voulaient congédier Coach Harbaugh, puis j'arrêtais pas de dire « Ouais, mais tu le remplaces par qui? » Parce qu'il exact. Va chercher 10 victoires par année. Bon Lamar point. Jackson va te chercher une dizaine de victoires, t'emmène en série. Comme vous dites, il va pas au avec prochain niveau, mais on le remplace par qui? C'est qui le futur de l'équipe? On est rendu là, je pense, avec des corps arrière. Puis comme tu dis, les QV... Surtout cette année ou peut-être l'année prochaine, mais encore là, il y en a peut-être. Ça peut changer. Là. Il y a encore une saison à jouer au college football. Le repêchage d'avril, il n'y a aucun corps arrière là, que je suis extrêmement excité. Là. Donc rapidement, vous dites que Lamar reste à Baltimore, c'est ça? L'année encore, oui. Mais après parce ça. Que oui, moi aussi. Il signera pas un franchise tag. Là. C'est pas ça qu'ils vont y offrir. Ben oui, c'est ça qu'ils vont faire. Puis là, tu as le choix entre jouer pour 34 millions ou rester chez vous. Je pense qu'il va jouer. Mais en même temps, puis je pense que c'est Étienne qui le disait tantôt, ça fait 2 saisons qu'il ne les termine pas. C'est moi. S'il veut avoir son gros contrat, mais joue une saison complète. Puis rends-toi attirant. Là. Il y a une équipe à quatre parts qui va, ouais. va l'amener, ouais. là, le camion Brinks. Non, c'est sûr. On salue Burger Time, Big Will, deux recrues qu'on peut dire, là, deux frères, William puis Samuel, donc puis des deux gars généreux aussi, là, ils ont été vraiment généreux tout au long de notre émission. Donc salut les boys, Big Will est un grand fan des Chiefs, donc lui il est tout excité pour dimanche. Donc il reste pas grand, on n'a pas fait le tour, Wallet, toi, qu'est-ce que tu vas surveiller? À part de, j'espère, pas tes bills. Tes bills de ta casquette. Ouais, écoute, je sais pas quoi penser de la déclaration de Tom Brady quand il a dit qu'il voulait pas aller à la télévision en 2023. Oh! Moi, je me dis, si, exemple, les 49ers, après un mois, ont toute leur carrière de blessés encore, puis qu'ils reçoivent un appel de coach Shanahan, ou j'oublie le nom de leur GM, qui sait? C'est pas la saison morte, mais on dirait que je serais pas surpris que Tom Brady revienne dur à la saison. Mais je suis tellement tanné, les gars. Je t'arrête tout de suite parce qu'on a eu un raid. Excuse-moi, Simon. Fait que je veux juste accueillir le monde. Merci beaucoup, RS, pour ton raid. Mark and Touch, Joe Labine, comment ça va? Toute la gang. The Flame, mon premier abonné à vie sur notre chaîne. Salut tous les Raiders. C'est pas les Raiders de Las Vegas, c'est les Raiders de Twitch de RS Mirabel qui joue de l'excellente musique. Allez le follower, RS. Un gros merci, Rock. Puis il vient de se réabonner. Ben là, il y a plein de monde qui se réabonne. Bon. Donc, on salue tout le monde. Donc, merci The Flame. Merci RS pour le réabonnement. Hey, ça fait 25 mois consécutifs que RS se réabonne. Et salut à DC Cattell. Pour les gens qui ne le savent pas, DC Cattell, ça veut dire Dallas Cowboys for life, les amis. On a un grand fan. On a un grand fan des Cowboys qui dit Lamar va rester à bait beaucoup d'argent. Donc, on parlait de Tom Brady, les amis. Fait que je ne sais pas si Mad Dog est là. Du raid. Fait que Simon, il est tanné. Dis-nous. Bon, et là, j'espère que mon ami Wallet est bien assis. Là. Il connaît mon amour inconditionnel pour Tom. Mais là, je suis tanné. Là, je suis tanné de l'entendre parler. Encore cette semaine, dans la semaine, là, Super Bowl, on a parlé encore de deux corps arrière qui vont rentrer au Temple de la renommée par la grande porte, c'est-à-dire Rodgers et Brady. Mais les gars, vous êtes éliminés. Là. Va-t'en à ta maison, Rodgers. Va réfléchir. Puis Tom, là, va te faire griller, OK? Va te faire bronzer sur la plage.
sacre-nous patience avec tes histoires. C'est fatigant. C'est des gars qui sont... Puis les journalistes sont ils ont toujours des projecteurs sur eux pendant qu'on s'en va vers un Super Bowl qui devrait être un match exceptionnel. Du moins, on se le souhaite. Et on a parlé encore cette semaine, pendant toute la semaine, et encore ce soir, on embarque dans le jeu. Les gars, prenez-le pas personnel, là. Mais moi, je suis tanné. Tom Brady, là, il est éliminé. Il vient de prendre sa retraite. Qui nous sac patience? Puis Ron Rodgers, va-t'en dans ta maison. Tu reviendras avec septembre. That's it. Bon, ben, je vais enchaîner là-dessus rapidement. Simon m'a fait mes prédictions. Aaron Rodgers va être un Raiders. Derek Carr va être un Saints. Puis, c'était quoi l'autre? C'est qui l'autre joueur qu'on voulait parler? Lamar Jackson. Lamar Jackson va être à Baltimore sur le Jimmy tag. Jimmy G. Il va être un modèle pour Calvin Klein. Vous avez vu, t'as vu la déclaration de Joe Montana? Non. Au sujet du futur carrière des 49ers? Ben, c'est simple, c'est Brock Purdy. Non. Joe Montana a dit pour lui, c'était Jimmy G. Ouais, mais si tu veux gagner, you can rock and roll all night and Purdy every day. Faut y aller ailleurs. Je suis d'accord avec toi. Jimmy G, je pense que peut-être mais es-tu bien placé pour le temps au bon moment, ce gars-là? Il était encore comme l'an passé dans le siège du conducteur. Lui, il est assis chez lui. C'est sûr qu'il va jouer dans la NFL l'an prochain. Ses chances d'être un corps arrière numéro un dans une équipe de la NFL l'an prochain sont très bonnes. Lui, il est assis. Il attend que le téléphone sonne. Par contre, il y a un détail que je trouve intéressant. Merci, Étienne. Embarque, Étienne. OK. Il y a un petit détail que je trouve intéressant, c'est que Garoppolo est un agent libre dans le sens où il ne peut pas signer. Il ne peut pas signer avant le 15 mars. Il ne peut pas parler à personne avant. Mm-hmm. Derek Carr va être congédié par les Raiders s'il n'est pas échangé. Donc, lui, il devient un agent libre tout de suite. Fait que le premier domino qui va tomber, ça devrait normalement être lui. Fait que ça risque de Jimmy, ça peut jouer les deux sens. Ça peut couper des portes, mais ça peut aussi, ça va couper une porte définitivement. Mais ça peut aussi rendre les autres qui vont rester autour de la danse un petit peu moins sélectifs. Exact. J'ai hâte de voir. Puis j'aime ce que tu viens d'apporter, Étienne, les dominos qui tombent. Si on venait qu'à perdre Lamar Jackson, puis que Derek Carr signe avec les Raiders parce qu'il va avec les Saints parce qu'il va être congédié, ben je serais prêt pour les Ravens à prendre le futur corps qu'on va voir au Temple de la Renommée, Jameis Winston, avec les Ravens de Baltimore. Ah, accepté. OK, les gars, on vient de finir le premier corps. Est-ce que tiens, tu voulais rajouter on va passer au deuxième point? Merci la gang, Geneviève Labadie qui vient de se réabonner aussi. Merci beaucoup. Donc, merci toute la gang d'être là. Donc, merci RS pour le raid. Merci, un gros, gros, gros merci. Vous êtes vraiment le fun. Donc, c'est l'exécutif. Vous avez notre VP Finance, Simon, à votre gauche. Notre VP Recrutement en haut, Wallet. Et notre VP Opération Football, Étienne. C'est rare que je les ai ensemble. C'est le fun, c'est une excellente table ronde, donc inquiétez-vous pas, c'est disponible en rediffusion par la suite, puis demain, ça va sortir sur le site Internet. Donc, on a bien hâte, on a 4 sujets de 15 minutes, donc c'est vraiment notre concept de 60 minutes. Donc, on s'en va au deuxième quart avec notre deuxième sujet. On salue Quarterback aussi, notre modérateur qui est là. Les gars, rapidement, vite, parce que j'adore la question. Purdy ou Lance pour commencer les Niners l'année prochaine? Moi, rapidement, les gars. J'en ai plus vu de Purdy, donc je vais avec Purdy. ça va être un choix difficile. Hein? On a tellement donné du côté de San Francisco pour s'avancer dans le repêchage pour aller chercher Trey Lance. Il y a énormément de pression sur la direction. Hein. Mais il n'a pas joué, ça fait quasiment 3 saisons. C'est là que ça devient difficile. Reste à savoir lequel des deux qui va être le plus en santé l'an prochain pour commencer la saison. Moi, je pense que ça, c'est pour tenir compte de l'état de santé de ces deux gars-là. Mais oui, Brock Purdy a bien paru. Ça a bien été ses affaires. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je pense que le corps arrière de l'avenir
pour les 49ers de San Francisco jusqu'à preuve du comptoir doit demeurer Trey Lance. Maintenant, est-ce que ça va être lui qui est le plus susceptible d'être le corps arrière d'avenir? J'ai des doutes. Ils sont drôlement foutus parce que ils ont un gars en Purdy qui peut prendre, il peut conduire l'autobus là, parce qu'ils ont un excellent autobus, plein de bons joueurs autour de lui, puis juste à distribuer le ballon. Puis le reste de l'équipe est faite pour gagner maintenant. Ce qui serait le meilleur pour la carrière de Trey Lance, c'est qu'il joue. Il faut qu'il voit du terrain, il faut qu'il voit du ballon, il faut qu'il voit le ballon, il faut qu'il voit du terrain. Mais c'est difficile à faire ça avec une équipe qui aspire au championnat, c'est dire on va perdre 3-4 games cette année parce que notre carrière n'a pas d'expérience et est en train d'apprendre. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils vont voir ce qui est sorti aujourd'hui comme nouvelle, semblerait que Purdy va être prêt pour le mois d'août. Ouais. Fait qu'il pourrait avoir un camp d'entraînement complet. Là, tu vas vraiment avoir tes 6 semaines de camp pour évaluer les deux, puis tu prends ta décision après ça. Mm-hmm. À moins que quelqu'un, genre Tennessee, décide de faire une offre importante pour Lance. Puis là, ben, tu prends ta perte, puis tu ramasses un petit peu de capital pour faire d'autres choses. Tennessee, il va courir après Trey Lance. Intéressant, intéressant. C'est pour ça qu'on enregistre les émissions. On va en parler. Deuxième sujet, on part, puis on va commencer tout de suite avec Wallet. Il a sa casquette sur la tête. Vous vous souvenez, avant la saison commence, on voyait les Bills. C'est leur année. La Bills Mafia mérite ça. Ça sent tout le monde a mis les Bills champions, sauf Wallet, je pense. Ça se peut-tu? Je sais pas, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, on voyait tout, puis je me suis dit, hey, on parle tellement d'eux autres, les Bills, il va se passer quelque chose. Puis encore une fois, ben, c'est sûr, il y a eu l'accident triste, là, l'arrêt cardiaque de Hanlin, le joueur qu'on a vu en fin de saison, arrêt cardiaque en plein match. Mais on a vu encore l'ancien Bills qu'on s'est dit, on ne peut pas se fier tout le temps à Josh Allen. On a laissé le ballon, toute la pression est à lui. Pas de jeu au sol, rien de ça. Que s'est-il passé avec les Bills encore? Sont pas au Super Bowl, Wallet. Que s'est-il passé? Ben, rapidement comme ça, ils ont perdu contre une équipe qui a mieux joué qu'eux. Honnêtement, autant que les Bills, c'était l'équipe qu'on parlait en début de saison, du moment que les éliminatoires ont commencé, on parlait beaucoup des Bengals, un peu de la même manière qu'on parlait des Bills en début de saison. Mais je pense que, comme tu viens de mentionner, on met beaucoup de pression à Josh Allen. Puis, quand on regarde ça, c'est assez drôle à dire, là, mais je pense que la perte de Von Miller a fait très mal à leur équipe. Puis, c'est un peu triste de dire qu'un gars comme Von Miller, qui est très talentueux, mais en fin de carrière, avait autant d'impact sur cette défensive-là parce que, comme que je disais, les Bengals ont gagné le match, ils ont été meilleurs qu'eux, mais il faut se l'admettre, la défensive des Bills n'était vraiment pas à la hauteur, puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je vais faire du chemin sur ce que Wallet vient de dire. Oui, la perte de Von Miller sur le terrain ont vraiment nuit là, aux Bills de Buffalo. Mais je pense que son leadership également là, a manqué à cette équipe-là. Moi, je le dis depuis plusieurs... je l'ai dit plusieurs fois, là. Les Bills, là, c'est une question de maturité. C'est une question de prendre des bonnes décisions au bon moment. Et c'est sûr que c'est une phrase vide de sens, mais qui veut plus dire en même temps. Cette équipe-là doit apprendre à gagner les grands matchs, les gros matchs. Et cette équipe-là, encore, a échoué, malgré qu'ils ont, je dirais presque pas une équipe de rêve, mais ils ont, techniquement, sur papier, étaient l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe de la NFL. Ils ont encore échoué. Et on se doit aussi de questionner là, la préparation de cette équipe-là, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et on a été chercher et on a vu le comportement d'un gars comme Stephen Diggs dans un match aussi important qui enguirlandait son corps arrière et qui faisait des signes sur le terrain quand on voyait tous à la télé qui chialait après en lui disant de tirer le ballon plus haut et c'est ce parage qu'il a fait pendant le match. Donc, ça va prendre du leadership, de la maturité et il faut vraiment que le coaching staff du côté des Bills prenne le volant et conduit cette équipe-là à un autre niveau. Parce que présentement, cette équipe-là a tout le talent voulu
pour gagner un Super Bowl, mais ils ne sont pas capables de gagner le grand match. Étienne, on entend beaucoup parler, je sais que tu vas compléter, là, mais il y en a quelques-uns qui commencent déjà à dire que les Bills vont régresser. Là. Régresser, c'est un peu normal dans l'évolution d'une équipe de même. Quand tu te mets à payer des joueurs qui étaient sur des contrats recrues, à un moment donné, il faut que tu laisses aller des, morceaux. Ça leur a fait un peu mal cette année. On s'était beaucoup fié sur Gabe Davis comme deuxième receveur, puis ouais. Ils sont bien ordinaires, puis Isaiah McKenzie aussi. Mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, j'aurais dit un peu ce que Wallet m'a enlevé les mots de la bouche, là. Simon aussi. Fait que, ils ont perdu contre une meilleure équipe qu'eux, mais ils n'ont pas perdu contre un mauvais club. Là. Dans des conditions difficiles, des fois, ça change un petit peu aussi la dynamique. Puis, mais faut, à un moment donné, ils vont manquer d'excuses. Il faut commencer à gagner ces matchs-là. Ben, c'est sûr, il faut faire un lien parce que je pense que Simon a raison aussi. Parce que là, c'est rendu Von Miller, on s'ennuie d'un joueur. Fait. Puis là, en plus, on s'ennuie d'un joueur en défensive, on se fie trop sur un joueur. Ils vont-tu comprendre? Penses-tu que, Étienne, si-tu, à part de l'argent, c'est-tu parce qu'ils ne sont pas capables ou ils vont-tu changer le style? Je pense qu'ils vont investir un petit peu dans leur ligne offensive, qui a été franchement moyenne cette année. Ils ont à investir à cet endroit-là. Le reste, il y a du talent quand même pas mal. J'ai pas leur liste de gars que le contrat vient chance devant moi. Mais est-ce qu'on doute sur le coaching, Wallet, toute la gang? On finit avec ça? Non? Je pense que t'es compté. C'est comme un peu comme Harbaugh à Baltimore. T'as un coaching staff qui va te garder dans la danse à toutes les années. Ils gagneront peut-être pas, là, mais ils vont te garder dans la danse tout le temps. Puis c'est ça que les propriétaires veulent. Ils veulent éviter des saisons désastreuses où il n'y a personne dans les astrales. Mais à quelque part, Étienne, ils vont un peu comme Harbaugh, on va les garder dans la danse. Cette équipe-là, je m'excuse, ont le potentiel de ne pas être dans la danse. Ouais. Ont le potentiel d'être les premiers en haut. Et pour répondre à la question à Tony, l'an prochain, si les Bills ne vont pas aux grands honneurs, ou du moins ne se rendent pas plus loin que ce qu'ils font présentement, je pense qu'on va falloir commencer à se questionner sur le staff d'instructeurs, les gars. Ouais, mais en même temps, tu regardes la conférence américaine, puis elle est tellement plus talentueuse que la nationale. Imagine, tu rajoutes Aaron Rodgers à Vegas, qui connaît une bonne saison. Ça finit où? C'est dur, là. Et est-ce qu'on va avoir la résurrection de Wilson du côté de Denver? Ouais, puis tu rajoutes à ça Herbert, tu rajoutes à ça Trevor Lawrence qui continue de se développer. L'américaine est tellement forte que je ne sais pas à quel point tu peux critiquer les coachs. Comme qu'on a dit, les Bengals étaient juste meilleurs cette journée-là. Puis s'ils avaient gagné, ils auraient affronté les Chiefs. Puis les Chiefs, ben c'est les Chiefs. Là. C'est la meilleure équipe au football depuis 5 ans. Puis c'est difficile quand tu es dans une conférence qui est aussi forte, selon moi. Exact, tu as raison. Étienne, ça fait une couple de fois que j'en parle. Puis j'en entends parler aussi. Là, parce que la NFL aujourd'hui est beaucoup axée sur l'attaque. Puis là, vous avez nommé deux gars, McDermott puis Harbaugh. C'est deux coachs qui sont plus défensifs. Fait que quand on regarde aujourd'hui qui est aux grands honneurs, ou les 4 dernières équipes qui restaient, Shanahan, Sirianni, Reed puis Taylor, là, c'est tous des cerveaux offensifs. Là. Est-ce que tu penses que les propriétaires pensent à ça? Ou j'aime qu'est-ce que Wallet il dit. On le change pour qui? Ça fait partie de la recette parce que ce qui ont bien peur qui arrive, c'est que tu repêches un jeune carrière, tu nommes un coach défensif, qui lui va se nommer un coordinateur offensif, qui paraît bien. Puis quand il paraît bien, mais tu te le fais voler parce qu'il devient head coach 2 ans plus tard. Fait que là, c'est vraiment ce que ces équipes-là ont beaucoup de turnaround dans la position de coordinateur offensif, puis c'est jamais bon pour les carrières. Tandis que si tu engages un coach offensif, ben, tu viens de régler le problème. Tu n'as pas ce danger-là qui soit. Excuse-moi l'expression, là, mais poaché par une autre équipe, là. Tu sais que tu l'as pour toi autant que tu veux le garder. Fait que c'est une des raisons pourquoi ils sont attirés vers les coachs offensifs plus que les coachs défensifs. Puis regarde, on l'a vu avec les Bills, la perte de Brian Daboll cette année, ça a paru quand même. Ouais, hein? Il a fait du bon travail de l'autre côté. Ça l'a affecté Josh Allen, je pense. Hein?
ça a apparu dans leur moi j'ai trouvé dans leur la subtilité de leur cahier de jeu un peu. Mm-hmm. Fait que ça, c'est pour ça principalement qu'ils cherchent, tout le monde cherche le prochain Sean McVay ou le prochain Kyle Shanahan. Là. Mais ça amène à des emplois comme des gars comme Kevin O'Connell au Minnesota, qui est une surprise pour tout le monde. Mais c'est ça, il avait lavé la vaisselle avec Sean McVay, donc on a fait de lui un head coach. C'est bien fait. C'est tellement dit. Bienvenue à l'équipe, bienvenue dans la team Le Blitz NFL, GB123 jusqu'à 12. Je ne dirai pas tous les chiffres, mais il s'appelle Guy, on le connaît. Salut Guy, merci d'être là. Ben des gens qui disent le problème des Bills, les Bengals et les Chiefs sont encore là. Le problème mm-hmm. des Bills, c'est que les Bengals et les Chiefs sont encore là. Un peu comme Wallet disait, la conférence américaine, elle est très, très forte. Donc, Big Will qui dit Sean Payton pour les Broncos. J'ai oublié d'en parler, mais ça aurait pu être quelque chose à surveiller. Mais on a hâte d'avoir Sean Payton aussi à Denver. Donc, un autre bon coach dans l'américaine. Wow! Fait qu'on est aussi bien de faire un Super Bowl hein, dans l'AFC. Mais, en tout cas, Burger Time qui dit, depuis que DeMar Hamlin aussi, quand il s'est blessé, l'arrêt cardiaque, Josh Allen aussi, il n'était plus le même QB. Je pense que ça l'a affecté aussi. Ça a sûrement affecté aussi. Ça paraît, c'est marginal, mais cette équipe-là a quand même eu beaucoup de revirements, mais ils ont été obligés de jouer une game à Détroit. Qui était ouais, des, de, la tempête de neige. Beaucoup de distractions. Puis ça, à un moment donné, ça finit par... Le jour même, tu joues sur l'adrénaline, mais quand tu arrives la troisième semaine, souvent, c'est là que ça finit par aller. Mais pour revenir à Josh Allen, probablement que oui, il y a eu des distractions, comme tu dis, mais ça ne l'a pas empêché de jouer une bonne ronde de golf la semaine passée, là, au niveau du pro-am du côté de Pebble Beach. Oh, wow! C'est moi que j'ai peut-être à rajouter là, avec tout ce qui a été dit, c'est que je pense que avec les Chiefs qui sont au Super Bowl, qui pourraient l'emporter, on parle beaucoup de Joe Burrow dans saison morte, on va parler beaucoup des Broncos, on va peut-être parler beaucoup des Raiders, on va continuer de parler de la progression de Trevor Lawrence, on va peut-être parler moins des Bills, puis le fait qu'on va en parler moins, qu'on va peut-être les oublier, qu'on va les mettre un peu plus là, sur le back burner, comme on dit en anglais, mais ça va peut-être faire en sorte qu'ils vont commencer l'année moins... Moins de pression, puis là, ça va comme monter tout au long de la saison, puis on peut-être un résultat le plus intéressant pour eux. Excellent. Donc, on passe au troisième sujet. Ben là, justement, c'est la grande messe, c'est les deux équipes. Moi, j'avais peur, Wallet, tu dises, on va parler encore de Tom Brady. Là, Simon va réagir. Arrêtez-moi ça. En tout cas, une anecdote. Non, mais Simon, t'écouteras pas Fox en 2024. J'ai une anecdote pour vous autres. J'avais le gilet de Brady qui était visible au niveau de la maison chez moi. Il est rendu dans le garde-robe, c'est correct. Là. C'est assez. Tant que ça. Ah oui, regarde. Pendant ce temps-là, il me manque. Là. J'ai hâte de le regarder sur Fox. Je trouve ça plate pour Greg Olsen parce que je trouve qu'il est très, très bon. Il va sûrement tomber sur l'équipe 2, mais j'ai hâte de le voir. Ben, en tout cas, on peut parler de cette rumeur-là. Tony Romo a de la difficulté. Greg Olsen, là, tout le monde le trouve super bon. Fait que ça va être le carrousel des commentateurs. En espérant que Greg Olsen ne se blesse pas dans l'escalator ou dans l'ascenseur. Donc, on a deux équipes qui ont fini 14-3. Donc, les deux équipes au Super Bowl. Les Eagles champions de la NFC, les Chiefs champions de la AFC. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu deux numéro un s'affronter. Donc, on revient encore dans le système où ce que les Chiefs, c'est la meilleure attaque contre la meilleure défensive des Eagles. On parle beaucoup des Eagles qui ont dominé, Étienne. Moi, personnellement, j'aime les Eagles, mais dominer... Puis tu l'as même dit en passant, les gens... les modérateurs, si vous pouvez mettre le lien, aujourd'hui, Étienne a sorti ses XEO. Ils ont dominé, mais je me demande s'ils l'ont eu. Ben, ils ont eu un calendrier favorable. Mais la question, puis les Chiefs, pendant ce temps-là, ils ont joué dans l'AFC, ils ont affronté des bonnes équipes, tout ça. Mais qui a vraiment dominé cette saison entre les deux équipes?
Ben moi, les Eagles ont dominé, mais tu as mis le doigt sur le bobo. C'est que, on dit depuis tantôt que la AFC est forte, mais c'est cette conférence-là qui génère 12 de tes 15, de tes 17 adversaires. Fait que, à un moment donné, ça veut. Ouais, 14 de tes 17 adversaires. Fait que ça, non, 12. Anyway, c'est 12. À un moment donné, ça finit par paraître quand tu joues contre des clubs marginaux semaine après semaine. Ils ont joué contre beaucoup de carrières qui étaient, disons, moyens pour être généreux. Ils ont fait ce que les bonnes équipes se doivent de faire, c'est-à-dire dominer les équipes faibles. Mais après ça, d'aller dire semaine après semaine, là, ça, c'est les Chiefs que j'ai là. Chargers, Colts, Buccaneers, Raiders, Bills, 49ers, Titans, Jaguars, Chargers. Tu n'as pas bien le temps de respirer. Là. Ouais, c'est ça. Tu as toujours une équipe de football en avant de toi qui sait jouer. Ils ont perdu des matchs, les Eagles, en fin de saison, quand ils ont décidé de reposer notre ami Jalen Hurts. Ils ont perdu deux matchs à ce moment-là. Mais tu sais, c'est ça. T'sais, tu joues. Là, les gens vont me dire, ah, regarde le victoire-défaite. Mais oui, mais les autres équipes de la NFC aussi, ils jouaient entre elles tout le temps. Tu sais, fait que les Cardinals, puis affronter les Cardinals, puis les Commanders, là, c'est pas ça qui est le plus stressant d'un point de vue football. Les Texans, ils ont joué Texans. Les deux équipes ont joué. Les Eagles ont joué contre la division sud de la NFC, qui est la plus faible de la ligue. T'sais, on rajoute les Bears au travers de tout ça. Il n'y a rien de très impressionnant dans ce qu'ils ont battu comme équipe. Donc, ils ont été là parce qu'ils ont battu les Cowboys sans Dak Prescott, parce qu'ils ont battu les Giants. C'est ce qui a fait qu'ils ont fini la première place dans la division. Je suis d'accord avec Étienne. Moi, je pense que les Eagles de Philadelphie n'ont jamais affronté cette année une offensive comme celle des Chiefs. Donc, ça va être un sérieux test pour la défensive des Eagles. Et c'est sûr que dans les matchs qu'on a vus du côté des Eagles, on était très impressionnés. C'était des bons matchs, mais ça va être intéressant à suivre. Mais l'offensive des Chiefs... Peut-être qu'ils sont excellents. On ne le sait juste pas encore. Est-ce qu'on va le savoir dimanche? Oui. OK. Moi, j'allais juste dire... Est-ce que l'offensive des Chiefs, surtout avec un corps arrière qui joue sur une jambe, puis ton tight end étoile qui est potentiellement blessé, n'a pas vu non plus une défensive comme celle des Eagles? Très bon point. Très bon point, Wallet. Puis en passant, Hurts aussi est blessé. Il a l'épaule aussi, on ne l'a pas vu. Il lance pas comme qui. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va avoir un Super Bowl plate, c'est ça? J'ai vu une statistique intéressante aujourd'hui. Je ne sais pas où j'ai vu ça. Mais Patrick Mahomes, cette année, il a été le meilleur sur les passes de plus que 30 verges. Puis depuis qu'il est revenu au jeu, depuis qu'il s'est blessé, en fait, contre les Jaguars, il n'a pas lancé une passe en haut de 30 verges. Parce que c'est sa cheville droite, donc sa cheville est Je trouve ça intéressant comme stat. C'est-à-dire que ça limite son jeu. C'est clair que ça l'a limité. Là, deux semaines de plus de congé et de traitement, ça peut aider. Donc imagine si la défensive des Eagles... sans être trop agressif, va pas se concentrer sur ce qui se passe, 30 verges, ça peut avoir un impact assez important là, sur l'issue du match. Je vais juste faire le troisième quart, mais le timer est déjà parti depuis un bout. Wallet, les Chiefs, on avait dit, les Chiefs ne vont pas pareil sans Tyreek Hill. Là, ils ont eu la saison qu'ils ont eue. Les Eagles, les Eagles, on a dit qu'ils avaient eu, ils ont connu quand même un bon draft, sont allés chercher A.J. Brown. Tu sais, qui a plus surpris entre les deux équipes? Puis tu peux aussi compléter pour toi qui a vraiment dominé, là? Ben, moi, je pense que c'est les Eagles. On a vraiment vu le développement là, de Jalen Hurts qui s'est établi comme un joueur de calibre MVP au courant de la saison. Pour ce qui est des Chiefs, tant pour aussi longtemps que ton corps arrière, c'est Patrick Mahomes, puis que tu as un gars comme Travis Kelce dans ton équipe, même si tu as des receveurs ordinaires,
ça change-tu vraiment quelque chose? Je le dis à chaque année, mais tu sais, les Chiefs peuvent commencer leur saison avec 2 défaites, puis je vais encore dire qu'ils vont être favoris pour remporter la conférence américaine. C'est juste... Il n'y a rien que tu peux faire là, quand tu es une équipe aussi, avec des joueurs aussi talentueux que Mahomes puis Travis Kelce. Puis je pense que tout le monde s'attend de les voir année après année tant qu'ils sont là. Pour les Eagles, ben Étienne l'a bien décrit tantôt, qu'est-ce qu'ils ont eu à affronter durant la saison, c'était pas aussi difficile que qu'est-ce que les Chiefs ont eu à affronter, mais ils ont quand même remporté leur match. Puis fini l'année 14-3, puis tu remportes des matchs en éliminatoire, spécialement contre, même si les 49ers étaient blessés, ça reste que les 49ers ont une excellente défensive, puis ont été capables de les battre assez facilement. Tony, si tu te permets, pendant que tu me dis ça, je suis allé voir mes prédictions de pré-saison. Je vais me flageller un peu. J'avais les deux équipes à 11-6. Les deux équipes à 11-6, OK. Ils ont surpris égal. OK. Moi, je pense que je l'ai écrit, vos choix, mais... En tout cas... pour finir le tour de table, est-ce qu'on a les deux meilleures équipes au Super Bowl? Avant d'aller plus en détail pour qui vous allez prendre? Ouais, moi, je pense que oui, mais je pense que les Bengals auraient été aussi bons que les Chiefs dans ce match-là, dans le match décisif. Mais je pense qu'on a les deux bonnes équipes. La seule chose qu'il faut espérer maintenant, c'est que les deux équipes dimanche qui se présentent sur le terrain, que les équipes soient en santé toutes les deux, qu'on ait un bon match. Puis je pense que tout est en place, qu'on ait une bonne partie. Je pense que c'est les deux meilleures équipes qui sont là, mais les Bengals auraient fait quand même auraient donné un bon show également. C'est les Eagles Wallet, ils ressemblent aux Bengals de l'année passée, genre. On s'en attendait pas qu'ils soient là. Ou ils ont. Ben, les Bengals, ils avaient sur papier, on voyait que ça commençait à être une équipe là, dominante, mais ils ont vraiment eu une bonne fin de saison. Les Eagles, ils ont été dominants tout au long de l'année. Puis je pense que moi, personnellement, je m'attendais pas à ce qu'ils soient dominants là, quasiment la semaine 1 jusqu'en fin de saison. Puis je vais être d'accord avec Simon. Au final, je pense qu'on a les deux meilleures équipes. Oui, il y a les Bengals, mais oui, les 49ers, leur offensive, leur défensive est incroyable. Ils n'ont juste pas de corps arrière. Puis c'est triste parce que l'équipe est tellement talentueuse puis le fun à regarder jouer, mais ça fait partie de la réalité. Donc, je serais d'accord pour dire là, que c'est les deux meilleures équipes. Étienne? Oui, je trouve que Simon amène un bon point. Je trouve que les Chiefs arrivent à ce match-là en boitant un peu, là. C'est dommage que Hurts soit blessé de l'autre côté aussi, tu sais, qu'il ne soit pas les deux carrières, ne seront pas à 100%. Puis chez les Chiefs, ce qui fait mal, c'est que c'est une série de blessures à la même position. Tu sais, tu peux tout le temps te permettre de perdre 2-3 par temps, mais quand tu t'en perds 2-3 en même position, ça fait mal. Ils n'ont aucun de receveur, au cas de leur receveur qui est en santé. Des problèmes de santé au niveau des corners, on est très jeune aussi. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que les Chiefs, là, ils arrivent au bout du rouleau un peu. Puis s'ils sont pas, ces gars-là ne sont pas à 100% dimanche, en fait, ils ne le sauront pas. On le sait d'avance. Là. Mais s'ils sont à 83 versus à 95, ça va changer beaucoup. Ça va changer beaucoup ce qu'on va voir dans le match. C'est malheureux hein, jusqu'à un certain point. Mais oui, la Ligue était assez top-heavy cette année. Il n'y a personne, je pense, quelqu'un qui est tombé dans le coma le 1er octobre, il se réveille, il dit c'est les Eagles contre les Chiefs au Super Bowl. Il n'y a personne qui va être surpris. Ah, good. On continue. Ben, justement, ben, on va faire le lien, puis... Puis vous allez me dire chacun votre tour, là, comment vous allez voir, comment vous imaginez le Super Bowl avec les deux équipes qui sont là en ce moment. Dans le chat, vous êtes en feu. Burger Time est en feu parce qu'il prend pour les Chiefs. Il dit que ça va être le plus beau dimanche de ma vie. Donc, Mahomes va faire ressortir tous les joueurs. Les Chiefs, Sexy Jimmy qui dit les Chiefs sans Tyreek Hill, j'en reviens pas qu'ils soient si forts en attaque. Vive Mahomes! Merci toute la gang d'être là. On est une belle petite gang, on est une quinzaine comme d'habitude. Fait que un jeudi soir, ça... merci d'être là. Merci RS pour ton raid, c'était bien le fun. Puis t'as joué de la bonne musique pour le peu que j'ai écouté. Là. Fait que continuez, allez le follower. Un petit shout out à RS, s'il vous plaît. Donc, les gars, je vais vous expliquer un peu comment j'étais moi en début de. En début de lundi, ben là 2 semaines, parce que là, ça fait 2 semaines, puis là, j'ai dit, bon,
c'est quoi nos prédictions. Fait que là, la prochaine étape, c'est vous de dire c'est qui le gagnant, puis justement, comment vous voyez ce match-là, comment vous le voyez, si vous allez manger des ailes ou du porc effiloché ou une pizza. En passant, il y a beaucoup, on a parlé de 1,13 milliard d'ailes de poulet qui vont être mangées en plus, là. Fait qu'en tout cas. Bref, quand les deux équipes ont été nommées, je pense que les Eagles étaient favoris même par 2,5 parce que Mahomes était blessé. Et là, je pense que les Chiefs n'ont jamais été favoris depuis deux semaines. Puis là, on tombe à 1,5, donc en bas, vraiment un match serré, en bas d'un field goal. Donc, c'est vraiment un buffet pour les parieurs, là, comme on dit. Moi, j'avais commencé les Eagles parce que ça fait deux ans que je me dis « Defense wins championship ». Sauf que là, defense, tantôt, moi, je dis « Bon, ils n'ont pas eu d'adversité, selon moi. Comme Simon, je pense, a dit, ou Wallet, ils n'ont pas affronté la meilleure attaque. Mais là, je penche plus vers les Chiefs. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est Wallet qui m'a convaincu. Parce que dans le temps, il dit « Tu ne gages jamais contre Tom Brady ». Là, j'ai de la misère à gager contre Mahomes et Andy Reid en plus, après un bye week en plus. Puis, voilà une couple d'années contre les Bucks. Les Chiefs ont perdu contre une bonne défensive ce match-là, Étienne. Donc, vu que tu as fait ton XCO, puis on encourage tout le monde à le voir, j'aime que tu partes l'affaire, là, puis... Là, je suis vraiment rendu girouette. Là. Je pense que j'ai le goût d'encourager la meilleure attaque. Là. Je pense. Puis, je vous le dis tout de suite, ça va être par la course qu'ils vont gagner les Chiefs. Parce que les Eagles sont pas bons contre la course. Ils étaient pas bons. Howie Roseman se lève un matin et qu'il signe une dame comme ça pour Linval Joseph en l'espace d'une demi-heure. Okay. Il rajoute 700 livres de muscle à sa ligne défensive. Et tout d'un coup, ils sont devenus moins mauvais contre la joue au sol. Je me demande pourquoi. Mais c'est moi, des troisième, quatrième. Faut donner ça aux Eagles en plus. Ils ont beaucoup de profondeur. Hein? Il y a des noms comme Sue. Le Sue, il n'est jamais partant, je pense. Non, ouais. Il joue presque 15 matchs par match. Mais c'est 15 matchs, il est à 100%. Hein, c'est ça. Donc, ouais. Je vous laisse aller, les amis. Puis là, c'est le temps de s'ostiner. Moi, je vois deux genres de games. Je me dis, où bedon les Eagles sont vraiment une équipe dominante. T'sais, ils ont une grosse ligne offensive, grosse ligne défensive. C'est ça qui gagne des matchs au football. Fait que s'ils sont vraiment cette équipe dominante-là, ils peuvent gagner ce match-là par une 10-15 points. Là. À sens unique. Ouais, jusqu'à un certain point. Oh, ouais. On espère pas voir ce qu'on a vu contre les Buccaneers et les Chiefs il y a quelques années. Ouais. Mais ça, c'est la track A, puis c'est ça que je pique. Mais la track B, c'est que finalement, les Eagles, comme disait Simon tantôt, ça, puis comme disait Wallet aussi, c'est la première fois qu'ils affrontent une vraie équipe. Ils ne sont pas prêts. L'attaque des Chiefs les mélange. La défensive des Chiefs réussit à jouer assez physique avec eux autres, les brasser un peu. Chris Jones a un gros match. Puis là, on a un match à plus bas pointage et plus serré. Puis dans un match serré, ben, je vais prendre les Eagles. Je vais prendre les Chiefs à cause de leur expérience au Super Bowl puis à cause du coaching principalement. Même si je ne me fie pas tout le temps sur Andy Reid prendre les meilleures décisions pendant le match. Il est quand même. C'est pas son premier rodéo. Là, puis il n'aura pas les yeux des lumières comme un chevreuil sur l'autoroute. Fait que je vois deux, c'est ça. Fait que moi, j'ai pris 37-27, je pense que j'ai mis. Oui, à l'écran, 38-30. OK, 38-30. Puis si c'est pour être une victoire des Chiefs, ça va être une game de 24-20, genre. Simon, je sais que t'es prêt. Il est 8 heures. Je te laisse parler. Oui. Là, il y a beaucoup de bruit. Est-ce que vous entendez le bruit? Ou non, c'est non, non, non. On n'entend rien. Là. On dirait que, okay, c'est bon. On dirait que c'est tu bon. Bois ta bière, puis ça va. Là. donc moi, je suis d'accord un petit peu. Je me suis avancé tantôt. Moi, je pense que les Eagles vont affronter la meilleure équipe qu'ils n'ont jamais affrontée cette saison. Et ça va être difficile pour eux. Ils devront s'adapter rapidement. Moi, je vais avec une victoire des Chiefs 28-25 dans ce match-là. Ça va être quand même un match serré. Mais Andy Reid, autant qu'on peut douter de lui des fois dans sa prise de décision,
autant qu'il y a tout le temps un plan de match. Et surtout, il y a deux bons coordonnateurs qui travaillent avec lui. Donc, ça va être un match là, très serré, mais je vois une victoire des Chiefs 28-25. De mon côté, écoute, je vais essayer de faire ça rapidement, là, mais au football, c'est important d'avoir des équipes qu'on aime, des équipes qu'on aime moins. Puis c'est deux équipes que j'aime moins. Je vais être honnête, là, c'est des équipes que j'aime moins, mais je suis capable d'apprécier la passion des fans des Eagles. C'est des fans qui sont dérangeants, c'est des fans qui sont bruyants. Ils me rappellent des fans d'une équipe de la SEC. J'en nomme pas une en particulier, là, mais ils sont juste tannants et sont vraiment impliqués dans leur équipe. Du côté des Chiefs, spécialement les fans au niveau du Québec, ben, ils ont gagné 6 Super Bowls depuis 20 ans avec les Patriots, puis là, ils sont rendus avec les Chiefs. Donc, pour cette raison, je me dois d'y aller avec les Eagles, 33-20. Juste parce que je veux pas que les Chiefs l'emportent, tout simplement. Donc, si on... Simon vient dire, mais celle-là. Non, mais si on y va rapidement, puis faites le tour de table rapidement. 10 minutes, Simon, ou 5? Bon, je quitte environ dans 2-3 minutes. Ah, OK. Si je peux passer okay. Le premier. OK, ben je vais y aller tout de suite, droit au but. Moi, Sirianni, le coach des Eagles, il m'impressionne pas. Là. C'est, on dirait un cheerleader pour moi. Là. Puis... Et il va, je pense qu'il va choquer dans le coaching ou peut-être c'est tout le monde autour de lui parce que je le vois jamais comme préparer quelque chose. Là. Aidez-moi, là, c'est qui ce Sirianni-là? Okay. Moi, je pense qu'il a fait un bon travail. C'est un coach qui a fait un travail respectable là, du côté des Eagles. Mais c'est là qu'on va voir de quel bois qu'il se chauffe face vraiment à son plus grand match de la saison. Et c'est là qu'on va voir jusqu'où là, que toutes les décisions qu'il a prises, jusqu'où ça va les mener. Souvenons-nous, l'an passé, Zach Taylor avec les Bengals prenait des décisions, était audacieux et tout penchait en sa faveur. Cette année, ces bois-là, je pense qu'il a dit tantôt, je ne sais pas qui, je pense que c'est toi, Tony, de mémoire, tu as dit un peu, les Eagles ressemblent aux Bengals de l'an passé. C'est pas faux, parce que tout a de l'air à rouler, tout a de l'air à tomber du bon côté pour les Eagles. Maintenant, est-ce que ça va continuer lors du match ultime? Moi, je pense que ça va être difficile, mais je pense que Sirianni est quand même un bon instructeur. C'est pas un mauvais instructeur. Les deux autres, je vous garde quelques minutes de plus. Les gars, je dois quitter. Ton MVP, Simon? Ouf! Moi, je pense que ça va être Patrick Mahomes. OK. Bon, ben merci beaucoup, Simon. Merci gars, de merci ton beaucoup. Temps. Merci beaucoup. Bon Super Bowl! Et je m'étais fait une promesse. Avant de quitter... Vous avez jusqu'à dimanche pour aller donner du sang, faire honneur à notre ami Étienne. Étienne, tu sais que je suis en retard. Moi, je vais y aller lundi. Je pense à toi, mon chum. Wallet, salut. C'est la première fois qu'on se parle une heure sans se pogner. Je pense qu'on s'en vient bon. Merci. Salutations tout le monde. Merci. Puis on va te voir à Taverne au match, c'est ça? Taverne au match, Victoriaville, vous êtes dans le coin. Gênez-vous pas, venez me voir, je vais être là. Super Bowl, le MC. Merci. Simon, notre MC. Merci, Simon. Salut bon. Tout le monde. All right. Bye-bye. Donc, Wallet, Sirianni, c'était-tu un coach dans la NCAA? Non, j'en ai aucune idée. Il vient de où, Étienne, Sirianni? C'était pas un ancien de... Il a suivi Frank Reich. Oui, avec les Colts. Oui, puis il était ensemble avec les Chargers aussi, il y a quelques années. Fait qu'il vient de là. OK. Dites-moi, c'est qui votre X-Factor, là? Qui va faire la différence? Là on dit toujours, mais est-ce que vraiment, si les Chiefs gagnent dimanche, c'est à cause de Mahomes? On va poser cette question-là. Si les Chiefs gagnent, pourquoi les Chiefs vont gagner? Les trois clés de succès, là, on va dire les X-Factor, c'est votre Tony Steak là, à CBS, Tony Romo, qu'est-ce qu'il dit? Faut que la jeune tertiaire livre la marchandise. Parce qu'ils ont trois recrues comme corner. OK. Il faut que la ligne offensive tire son épingle du jeu. Il faut que les wide aussi, qui sont encore là, qui sont tous blessés, comme je disais tantôt, à différents degrés. C'est ces trois positions-là qui vont faire la différence entre on a quel genre d'adversaire en avant de soi, mais c'est certain que quand tout ça arrive ensemble, le ballon il est dans les mains de Patrick Mahomes, puis c'est lui qu'il faut qu'il fasse les jeux. Là. Mais on a confiance qu'il le fasse. Là. Wallet, si les Eagles gagnent, puis je vais inverser après. Si les Eagles gagnent, c'est pourquoi que les Eagles gagnent?
Il va falloir que Jalen Hurts soit capable de mieux lancer le ballon. Puis, je pense qu'il y a un excellent groupe de receveurs pour que ça puisse arriver. Il va juste falloir que son épaule... C'est son épaule, hein, pas son coude. Son épaule qui soit capable de tenir le coup là, pour 60 minutes. Mais au final, là, le duo de A.J. Brown puis Devontae Smith, potentiellement là, l'un des trois meilleurs duos de receveurs dans la NFL, ça va être difficile à arrêter pour la défensive des Chiefs, selon moi. Étienne, si les Eagles gagnent? Attends, je me suis trompé ou tu ne l'as pas dit? Ah, hein? je fais de la girouette. Il faut justement que l'attaque au sol livre la marchandise et que ça ne force pas Hurts à lancer trop de ballons dans le match. Leurs wide doivent battre les jeunes corners des Chiefs, puis leur ligne défensive doit continuer d'être aussi dominante qu'elle a pu l'être. Écoute, ils ont battu le record de sacks cette année. 70. Ouais. À un moment donné, c'est un beau joueur qui ont des lignes offensives moins fortes. C'est quand même beaucoup de sacks. Là. Puis ils ont une grosse proportion de ces sacks-là que c'est vraiment des joueurs de ligne. Fait que c'est pas parce qu'ils blitzent en malade, là. C'est vraiment parce que leur joueur de ligne était dominant. Wallet, les Chiefs gagnent. DC, notre fan des Cowboys, Dallas Cowboys for Life, il dit Chris Jones, The X Factor. Ouais, Chris Jones, tous les matchs que j'ai regardés des Chiefs cette saison, spécialement en éliminatoire, il a vraiment une importance. Moi, je pense que pour les Chiefs, on le sait, l'attention va être sur Mahomes, l'attention va être sur Travis Kelce, mais c'est dans des matchs comme ça qu'on voit souvent des gars qui sortent un peu leur épingle du jeu, qui sont capables de se faire un « nom », entre guillemets. Ça va être lequel des receveurs là, qui a connu une saison plus ordinaire qui va être capable d'être la star dans ce match-là? Est-ce que ça va être Juju? Est-ce que ça va être Marcus? Est-ce que Sky Moore va connaître ça dans ce match-là? Est-ce que Kadarius Toney va être utilisé plus que sur les unités spéciales? Moi, je pense que si les Chiefs veulent remporter ce duel-là, il va falloir qu'il y ait un receveur de passe autre que juste Travis Kelce qui ait un impact assez important. Là, un match de plus de 100 verges, un touché, ça pourrait faire une très grosse différence. Étienne, il y a la gang dans le chat. On n'a pas parlé, mais une autre surprise pour les Chiefs, Pacheco. Oui. Écoute, parle-nous de lui. Là. C'est un autre septième ronde, ça. Hein? Oui. C'est comme Purdy, ça. Il est impressionnant. J'aime la meilleure expression que j'avais déjà entendue par rapport à Marshawn Lynch, puis je la répète avec lui, c'est qu'il court comme s'il avait le fond de culotte en feu. T'as toujours l'impression qu'il est fâché quand il a le ballon, puis il brise des plaqués, puis après ça, contrairement à souvent, ces porteurs-là sont plus lents, mais quand il embarque en cinquième vitesse, il a une cinquième. Là. Fait qu'il était impressionnant. Sortir de nulle part, puis réussir à faire... Souvent, ce qui retient les carrières, les running backs recrues de jouer dans la NFL, c'est les capacités sur protection de passe. Ben lui, protection de passe dans une attaque complexe, il a bien fait quand même depuis le début de l'année. C'est sûr qu'on fait une situation de passe évidente, on fait plus confiance à McKinnon, mais Pacheco a quand même, pour une recrue, là, il fait le travail, fait que ça permet d'être sur le terrain. Mais oui, on n'a pas parlé beaucoup, mais fait que toi, tu l'as dit tantôt, tu dis les Chiefs gagnent, c'est parce qu'ils vont gagner au sol. Ben, moi, je me suis dit, la cote est tellement serrée, puis Wallet l'a dit, tout est possible, on met toute l'emphase sur Mahomes, il va se passer de quoi? Moi, j'ai peur que ce soit comme un peu comme, vraiment, si les Eagles dominent, puis les Chiefs sont tellement blessés, parce qu'ils sont vraiment blessés, mais en tout cas, j'y vois dans leurs yeux, là, toute la semaine, là, sont vraiment mindés, les Chiefs. Là. Les Eagles, c'est sûr que... En tout cas, les Eagles, c'est une première expérience. Sirianni, il laisse aller. C'est ça, la beauté. Les joueurs l'adorent parce qu'il laisse aller. Il n'y a pas vraiment de code de conduite ou une ligne de conduite. Mais il y a quelque chose que je voulais dire. Wallet... Ils sont très patients en défensive. Ouais. Les Eagles... Ils vont forcer Reed à courir. Puis Reed, souvent, ça y arrive... Ouais. C'est-à-dire qu'il s'ennuie quand il court trop, là, tu sais, il trouve ça plate. Puis, Étienne, t'as parlé, j'ai lu ton article là, aujourd'hui, Wallet, notre arbitre en chef, c'est Sheffer, ça a l'air, c'est lui qui donne le plus de pénalités. Donc, est-ce que les arbitres vont être sévères? Qu'est-ce que si on a à prédire ça, là?
Est-ce que les arbitres vont être sévères? Probablement, parce que la majorité des matchs de la NFL, c'est assez sévère en général. Il y a beaucoup de punitions. Mais j'essaie de rester positif et de me dire que les arbitres n'auront pas d'impact dans ce match-là. On veut un match qui est joué dans l'art du sport. Puis au final, ben, je veux juste pas que les arbitres aient un impact pour n'importe quelle des deux équipes. Oui, Étienne. J'aimerais ça finir le match pour connaître l'arbitre. Ça me semble que ça nous ferait changement de ce qu'on a eu il y a 2 semaines. On a toujours des attentes, Étienne. On va finir là-dessus, les deux, Étienne et Wallet. On a toujours des attentes. Est-ce que toi, tu t'attends... c'est quoi le feeling, là, avec tout ce qui se dit? Des cotes serrées? C'est-tu la meilleure attaque qui va gagner? Est-ce que c'est vraiment Defense Win Championship? Comment tu te sens dans tout ça, là, même si tu as fait une prédiction? Là? Ben, comme je te dis, moi, je vois deux types de matchs différents. Soit, okay. Soit que les Eagles partent avec au début, puis ils ont été d'ailleurs l'équipe qui a scoré le plus de touchés sur leur première possession dans la Ligue cette année, de loin. Fait que, tu sais, ceux qui partent avec au début prennent une grosse avance, puis là, les Chiefs sont obligés de jouer par en arrière, puis ils réussissent juste jamais pas à les rejoindre, puis les Eagles sont capables de tuer une avance en jouant au sol aussi. Ou soit qu'on a un match serré qui implique les deux équipes, puis qu'en fin de match, là, les Chiefs sortent un ballon. Je suis un peu comme toi, là, tu sais, hier, je vais prendre les Eagles, mais aujourd'hui, là, je me rends compte que les blessés des Chiefs n'ont pas l'air si pires qu'on pensait. Ouais. Mais peut-être que, tu sais, la différence dans la NFL entre un gars qui est à 90% puis un gars qui était à 100%, c'est énorme, parce que l'autre gars derrière, il n'est pas une cruche, là. Il est capable de jouer aussi, là. Fait que c'est les blessures, c'est toujours un peu tannant, mais c'est bien difficile à évaluer. Toi, Wallet, comment tu te sens ou comment tu vois ça? Comment tu vas ouvrir la télé, tu vas te dire qu'est-ce que je veux voir? Là? Ben écoute, premièrement, pour mon portefeuille, je vais espérer que les Eagles l'emportent. Je vais l'espérer que le 52 points over, donc plus que 52 points. Moi aussi, j'ai pris l'over. Ouais. Le over. Je vais espérer que l'hymne national dure plus que 2 minutes 3 secondes. Exact. Je vais espérer que la première personne filmée durant l'hymne national soit Patrick Mahomes. Donc, si ces quatre choses-là arrivent, ça va être une bonne journée en termes de portefeuille. Pour ce qui est du match, comme j'ai dit, c'est pas des équipes que je suis en temps normal attiré, c'est pas des équipes qui même si c'est des très bonnes équipes. Tu vas-tu la regarder, là? C'est à 100%. Okay. C'est le dernier match de l'année, puis après ça, c'est comme qu'on appelle la longue saison noire de dépression sans football, on n'en parle pas. J'ai un thérapeute une fois par semaine pour en parler. Mais non, j'écoute, au final, qu'est-ce que tu veux? C'est un bon match, tu veux un duel qui est excitant, tu veux pas un Super Bowl au milieu du troisième quart, le match est fini. Je nous souhaite un bon match, qu'importe le résultat. J'espère que le port effiloché que je m'apprête à faire soit à la hauteur de ceux que j'ai fait dans le passé, ce qui est important pour... Mais la question qui tue, ça va être quoi la première tune à Rihanna? Je pense que j'en connais 3. C'est 3 plus que moi, ça fait tout plaisir. OK. Ouais. Diamonds, Umbrella... Ouais, j'allais dire Umbrella, c'est le premier nom qui me vient en tête. Je sais pas, probablement Umbrella. Elle a dit aujourd'hui qu'elle a changé sa playlist 39 fois. Fait que ça risque, c'est une perfectionniste. Ça risque d'être bon. Fait que, mais tu vois... J'écoutais une entrevue avec Chris Berman, puis il demandait, t'as vu comme 40 Super Bowl en ligne, qu'est-ce que t'aimes le plus dans les shows de la mi-temps? Puis il dit, moi, ce que j'aime le plus, ben, l'autre conseil que je vous donne, c'est, il dit, t'attends la première chanson, rendu à la deuxième, tu vas aux toilettes, puis il n'y a plus personne aux toilettes, tu passes devant tout le monde, tu vas aller chercher un hot dog, une bière, un breuvage, puis... Honnêtement, je suis quand même pas mal plus jeune que Chris Berman, mais je me sens un peu comme ça à chaque show de la mi-temps. C'est le temps d'aller aux toilettes. Ben oui. Comment tu vois ton match tout seul avec des amis quelque part?
Non, j'essaie de. Je l'ai fait dans le passé avec des amis, puis je veux pas être la police du plaisir, là, mais j'aime ça l'écouter toute seule chez nous. Ma femme est là, elle pose c'est ça. Pas trop de questions, puis on prend ça relax. J'aime pas ça être dans un environnement que tout le monde parle, puis qu'il y a trop de distractions. Là. Moi aussi, je fais ça cette année. Je vais être seul. Ouais. Mais je l'ai fait en pandémie, mais là, je le refais encore là. Toi, Étienne, avec la famille? On va être une 20-25 personnes ah oui? À la maison. Ouais. Chez vous? C'est un retour ouais, à la normale. On le faisait avant, puis avec la pandémie, on ne l'a pas fait les deux dernières années. Écoute, l'année passée, je l'ai regardé à l'hôpital. Ouais. En train de. On fait du bien pour le mental. En faisant un live. Vous faites un pool? Un zoom. On fait un zoom avec mes frères et deux de mes chums. Mais ça va faire du bien de retour à la normale cette année, de faire ça à la maison avec de la famille. Puis pour répondre à ce que tu dis, Wallet, moi, souvent, le lendemain matin, je me lève puis je regarde la version raccourcie parce que je n'ai pas vu le match. Je le vois, mais je ouais, ben, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait des parties à 20. Puis là, pendant ce temps-là, là, j'ai construit ma maison, puis là, j'ai un gros sous-sol, je l'ai devant moi, là, en ce moment, là, j'ai dit, ah ouais, puis la grosse télé, j'ai dit, je vais avoir 20 personnes, puis non, c'est ça, je suis pogné le lendemain à le réécouter parce que j'ai rien vu, puis c'est ça. Fait que... Moi, je suis chanceux avec le décalage horaire, quand le match se termine, ben souvent, c'est pas trop long, après, ma femme va se coucher, puis il me reste 2 heures que je suis sur NFL Network, c'est puis ça. Ils montent tout, puis je vais pas regarder le match. Mais Étienne, t'as pas répondu à la question qui tue, qu'est-ce que tu vas manger? Oui, il y a ça, oui. C'est du porc effiloché, mais... Non, c'est les wings ici, là, la dernière, je sais pas, la dernière fois, là, le four, on n'a pas fermé le four de la soirée. Il y avait toujours des wings dedans, puis dès qu'ils étaient prêts, on sortait. Ah, ça, là, ça descendait en bas, puis là, moi, j'ai trois, pour mettre les gens en contexte, j'ai trois garçons adolescents qui avaient invité de leurs amis. Fait que, il y avait, mettons, 25 adolescents dans le sous-sol, plus une dizaine d'adultes. Ouais. Fait que, écoute, on descendait en bas avec le plat de wings, puis on n'avait pas le temps de se rendre au fond de la salle, qui n'en restait plus. Là. Le truc, c'est qu'il faut que tu aies beau en chip avant de sortir les wings. C'est ça. Ou peut-être les souliers aussi. Ils sont capables de faire ça, ils sont capables de faire ça tout seul. All right, c'était bien le fun, la gang. Merci, Wallet. Wallet, tu vas nous préparer, on va se voir. Parce que la gang dans le chat, on est de retour lundi soir. En passant, j'ai oublié de dire à Simon, mais lundi soir, si jamais à 19h, heure de Québec, vous êtes disponible, on fait un retour là-dessus, ici sur Twitch. Donc, vous êtes invités. Puis après ça... La semaine d'après, je prends une semaine de congé. Je vais être en vacances. Donc, puis après ça, tous les lundis jusqu'au mois de mai, on va en faire. S'il n'y a rien, il n'y a pas d'actualité, on s'amuse avec le quiz. C'est le même qu'on a parti le quiz, puis vous aimez ça dans le chat. Fait qu'on va faire ça. Mais Wallet, va être, c'est lui qui va être occupé. Là. Simon va prendre un break. Étienne suit Wallet un peu. C'est comme son backup. Là. Fait que Wallet, tu vas nous préparer pour le draft, j'imagine. Ouais, peut-être pas autant de détails que dans les dernières années, mais on reste actif, on suit qu'est-ce qui se passe, puis naturellement, on devrait avoir au moins deux shows là, ensemble c'est avant ça. Le soir du repêchage, parler au moins des espoirs offensifs, les espoirs défensifs, puis on... Donc, ouais, on puis, s'est occupé. Puis Étienne, on a parlé... Simon a parlé rapidement, mais j'aimerais ça que tu prends le temps pour nous expliquer... La tournée des dons avec Emma Québec, qu'est-ce que tu encourages? Puis dis à la gang quoi suivre sur Facebook ou parle-nous de ça là, parce que c'est vraiment une belle cause, une bonne cause. Puis moi, j'étais assez content de te voir après un an parce que je me souviens, voilà un an, quand on a fait ça, tu as fait ça de l'hôpital en plus. J'ai revu le... Fait que là, c'est quoi, je suis content de voir à la maison. Fait que parle-nous de l'affaire de don de sang. Ben, écoute, c'est pas tellement compliqué. L'année passée, j'étais à l'hôpital. Je dormais 4 heures par nuit parce qu'ils me donnaient les médicaments. J'avais rien à faire. J'avais pas de travail. J'avais pas d'enfants qui me couraient après. J'avais pas de lift à donner pour les games de basket. Puis pas de repas à préparer. Fait que à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je fasse de quoi. T'sais. Puis tout le monde me disait, je connais beaucoup de monde. Puis ce qui m'est arrivé, les gens disaient, je peux t'aider. Puis il n'y avait rien vraiment qu'ils pouvaient faire pour moi. Là. J'étais à l'hôpital. Je faisais sur un bouton, j'avais tout ce que j'avais au bout des doigts. Ouais. Fait que j'ai dit, oui. Par contre, moi, je donnais du sang avant régulièrement. J'étais rendu à 49 dons. Puis là, je ne peux plus en donner. Fait que j'ai dit, mais j'en ai reçu l'année passée. Puis j'en ai reçu au bon moment. Puis c'était important que j'en aille rapidement.
Fait que là, ça m'a fait réfléchir. Tu sais, quand tu as l'aiguille plantée dans le bras, là, tu ne penses plus de la même façon un peu. Là. Tu dis, ouais. Il y a quelqu'un qui est allé donner du sang puis il est en train de me sauver la vie. Alors, c'est ça. Fait que c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition de notre collecte de sang qui, comme par hasard, se termine au Super Bowl. Fait que c'est une question de garder en tête. Fait que là, ça risque d'être un peu serré de prendre rendez-vous. Mais s'il y en a que ça leur tente de joindre l'aiguille à l'agréable, là, vous avez, il vous reste deux jours. Vous pouvez y aller après aussi, ça compte quand même dans ma tête. Mais vous présentez dans un centre de globules. Il y en a quatre dans la région de Montréal, deux dans la région de Québec. Et Plasmavie à Saguenay et à Gatineau également, qui peuvent vous recevoir. Puis sinon, il y a des collectes mobiles aussi. Puis vous faites juste leur dire. Vous leur dites que vous venez pour la collecte d'Étienne, football, ils vont savoir de quoi. Vous portez, souvent les gens portent un chandail de football ou une casquette. Là. Oui. Les personnels dans les centres sont habitués à ça, fait qu'ils vont vous poser la question, on va vous rejeter dans notre liste. Puis je voulais te remercier parce que notre ami Étienne, il a passé dans le Journal de Québec, puis il y avait le beau T-shirt de le Blitz NFL, fait que c'était bien le fun. Puis moi, en tout cas, faut que je travaille là-dessus, j'ai peur des aiguilles. Tabarnak, j'ai peur. Fait que, en tout cas, on verra, on va travailler mentalement. Toi, Wallet, es-tu un donneur de sang? Je l'ai déjà été dans le passé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Puis j'ai assez de booker un rendez-vous. C'était assez occupé. Ça allait comme plus loin dans le mois. Mais écoute, j'y pense. Puis là, regarde, je suis devant Étienne. Il faut que je fasse quelque chose. Donc ce soir, je vais booker mon rendez-vous. Puis je vais prendre un screenshot, l'envoyer à Étienne. Puis personnellement. Là. Donc c'est bon, je vais le faire. Excellent. Puis est-ce que vous êtes là lundi ou vous travaillez ou... Moi, je travaille. Tu travailles, Étienne ouais. Est-ce qu'on va se voir lundi soir? Je pense que oui. Oui? OK. Là, je check mon agenda très bien rempli, mais je pense que oui. Excellent. La gang dans le chat, on va être là. Bon Super Bowl. Bon Super Bowl. Merci toute la gang. Merci d'avoir été là, la gang. Puis dans le chat, on est là dimanche matin, 10h à midi. Donc, on fait un petit retour. Fait que merci beaucoup, Étienne. Je vais te laisser aller. Fait que... Salut tout le monde. À bientôt. Merci d'avoir été là. All right. All right, la gang dans le chat, donc je m'excuse. Là. Ouf, il y a bien des affaires ici. On manque du staff. Donc, merci la gang dans le chat. On va être là dimanche matin, 10h à midi. Venez prendre un café avec moi. On va répéter les prédictions. On va aller un peu plus en détail. Vous allez voir mon face-à-face. Puis je vais vous laisser la parole plus à vous. Ce soir, ça a été plus ma gang, les collaborateurs, mon exécutif. Donc, un gros merci à Simon Bussière, un gros merci à Wallet, merci à Étienne, AKA, le Maraudeur NFL. Donc, allez sur le site leblitznfl.com. Il y a Étienne qui a fait les XEO que Sexy Jimmy a présenté dans le chat. Moi, je vous ai présenté le guide complet. Donc, tous les faits, quoi voir. C'est de bien paraître lors de votre Super Bowl. Et dans les prochains jours, vous allez voir les choix à Simon avec son explication plus détaillée. Donc, je vous attends dimanche matin, 10h, heure de Québec, jusqu'à midi. Sinon, lundi soir à 19h, on va faire un retour. Merci, j'espère que vous avez apprécié. Vous avez été excellents, comme d'habitude. Je vous aime. Gros merci à Guy, JB123 jusqu'à 12, qui est un nouveau membre de Leblitz NFL. The Flame, qui s'est réabonné. Un gros merci. Donc, The Flame, qui s'est réabonné, parce que j'essaie d'avoir le titre ici, là. Il s'est réabonné pour... qui a donné un gift sub à Geneviève Labatie. Je m'excuse, j'avais pas bien vu. Merci du gift sub. The Flame, qui s'est réabonné pour un 22e mois. Et ainsi que DJRS, merci beaucoup de ton raid, Rock. Toujours généreux, mon ami Rock. N'oubliez pas d'aller suivre RS Mirabel. Je pense qu'ils sont là samedi de 4 à 5 avec le pre-show à Jazzy Y et Jazzy Y de 5 à 7. Je vous aime beaucoup, les gars, les filles, tout le monde. Je regardais ça, là, on est rien que 320 followers au total. On est toujours 15-20 à regarder l'émission. C'est un meilleur pourcentage que les gros DJ, les gros streamers. Vous avez vraiment le meilleur rapport spectateur et follower. Tu sais, j'ai pas besoin de 5 000, 10 000 followers. J'ai juste besoin de vous.
Puis vous voyez comment on se donne, on transmet notre passion. Merci d'avoir été là un jeudi soir. Donc, on se voit dimanche matin, 10h, sinon lundi. Vous êtes vraiment formidables. Soyez sages, soyez prudents. Dimanche, on va vous demander qu'est-ce que vous allez manger ou ce que vous allez être. On va vraiment faire parler de vous. Ça va être vraiment votre plateforme. Puis moi, je vais vous donner les derniers détails, les dernières nouvelles jusqu'au botté d'envoi. Donc, un gros, gros merci toute la gang. Merci. Merci DC for Life, les Cowboys for Life 0494, Monsieur Cacamol. Merci d'avoir été là. Burger Time, les frères Bérubé, William et Samuel, Burger Time et Big Will, Virginie qui était là, The Flame, RS avec son raid. J'ai vu Metoslide qui a dû quitter aussi. Donc, Sexy Jimmy, Mimodo, Quarterback qui a fait un tour. J'espère que je t'ai salué quand t'es arrivé. Oh, je t'ai oublié. M'excuse. Quand on a trois invités, c'est pas évident. Hein? Donc, un gros merci. J'ai même pas été voir. Qu'est-ce qui se passe sur Twitch? Est-ce qu'on va faire un raid? Est-ce qu'on va voir un raid? Qui est là? Un jeudi soir? Écoutez, on va rester avec nous. Restez avec nous, on s'en va raider DJ Fire Chris, un fan des Cowboys. Il est venu nous voir,